Et je dirais pas bonjour, parce que c'est trop standard en fait dans les vidéos YouTube. Donc je vous emmerde, et je vous souhaite bienvenue sur ma vidéo. Et je présente Punity en fait. Donc Punity c'est un petit jeu, enfin c'est un test on va dire, c'est un whip, c'est un projet. Et en fait c'est une reprise de Silent Hill PT, qui était pendant un temps, je crois, je suis plus sur quelle console, et puis qui a été delete en fait complètement par le dev. Enfin, ce que j'ai lu, hein, si je me rappelle bien, correctement ou pas. Et en fait, il y a une personne qui a décidé de reprendre le concept et puis de le mettre à sa sauce. Et donc là, en fait, c'est juste un petit essai de, on va dire, 5-10 minutes. Je sais pas ce que ça donnera. Hein. On va essayer ça ensemble. Mais à mon avis, pour ceux qui connaissent, bah ils connaissent. Et ça, c'est tant mieux pour vous. Et puis voilà. Et puis déjà, on remarque déjà que les lattes, elles grincent par terre, ce qui est pas bon. Alors je propose qu'on sorte et qu'on arrête le jeu. C'est bloqué. Alors je propose qu'on se bourre la gueule et qu'on arrête le jeu. Sinon je propose qu'on le finisse et qu'on le torche et voilà, que ce soit réglé. Ouais, ce sera plus simple. Alors ça se... Ça, ouais, bon, bref. Putain, si une ampoule à code, si une ampoule à la merde. Enfin bref. Oh putain. Oh, si je me mets dans les délires là, GTA avec les énigmes, ça c'est quoi ça? Ça c'est un ovni ça, hein? 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 Ça c'est mon chiliade ça, hein? Hein, mes couilles! Ah bon, avant que je parte justement comme je viens de le dire, on va avancer un petit peu, on va regarder le beau tas de bordel. Alors, médicaments et alcool, ça fait pas bon ménage, alors si, ouais, vu l'état où je vois là. Donc, voilà, je vous signale que le mec à gauche c'est moi. Et le mec au milieu, c'est moi aussi, mais avec une barbe. La troisième photo, c'est encore moi, mais sans la barbe, mais avec la moustache. Et la quatrième, c'est avec des rouflaquettes, et sans la moustache ni la barbe. Je crois que la quatrième, c'est le top. On dirait Lincoln. Enfin bon, pour ceux qui savent pas, c'était un ancien président américain. Enfin bon, voilà. Tu veux pas t'ouvrir non plus? Attends, je vais baisser le son. Je vais baisser le son parce que là, sinon ça va pas là. Bon, on va avancer un petit peu. C'est délabré, je dirais. Hein. Franchement, tu veux louer ça à qui? Franchement, tu veux louer ça à qui? Ah oui, j'étais défoncé ce jour-là. C'est le jour du mariage. Bah, fallait bien, hein, si tu voulais épouser une dame comme elle, fallait bien se défoncer la gueule. Je suis désolé, mais c'est vrai quoi. Et à chaque fois que je regarde la photo, bah regarde le mouchoir parce que je me rappelle de ce jour-là qui était dur. Et les clopes avec la banane parce que. Parce que voilà quoi, puis merde! Bon, on va aller voir, il y a un petit écriteau là. Watch out, the gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Ça c'est une bonne question ça. Puis un petit moment, dans certains jeux, on nous dit souvent, est-ce que t'es sûr que t'es dans le monde réel? Est-ce que t'es sûr que t'es dans la matrice? Alors écoutez bien, là, il chuchote à point. Aujourd'hui c'est pas Louis. Merde. Là. Alors tu tapes à la porte mais tu l'ouvres pas. Là, là. Enfin bon. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est une radio. Ah, le téléphone il était allumé, il était ouvert tout à l'heure ou pas? Bon bah y a pas grand chose, je crois qu'on va aller rentrer, il était sympa ce jeu hein. Ah je veux pas dire mais c'était bien festif, je me suis bien marré. Ça pleure derrière. Ouais bon bah écoute. Bah c'est tout fermé, je peux rien faire, je suis juste un couloir. Alors je préfère pas voir la gueule de mon perso. Bref. Mais c'est moi ou à chaque fois que je passe dans ce couloir, ça devient de plus en plus dégueulasse.
Ah, ils ont pensé à tout, à fermer toutes les portes et mettre des barrières sur les fenêtres. Ah, faudra déjà que j'ai la force de pouvoir casser les fenêtres. Oh! Bitch! Est-ce... Mais c'est dégueulasse! On peut pas mettre la radio. Ouais, ça me paraît un petit peu suspect cet endroit là. Ouais, ça me paraît un petit peu suspect. Je me dis qu'il y a des choses pas très normales. Parce que là, quand même, franchement, là, il faut appeler le. Il faut appeler EDF là. Il y a un sacré problème, les lumières qui s'éteignent là-bas. Il y a ça. Je suis sûr qu'il y a une feinte. Elle aussi, elle part en couille. Ah! Et bah alors. T'as décidé de t'en faire qu'à ta tête et de me lâcher toi aussi, saloperie, va. Putain, je me sens pas bien. Oh, j'ai les moineaux là. Et en plus, il vacille quand il marche, ça t'aide pas. Mais c'est 23h59, c'est pas à minuit qu'il y a des. La légende dit qu'à minuit, il y a tous les fantômes qui. Je vais. Oh putain! Ah, casse-toi! Casse-toi! Ah! Mais je peux pas courir! Je ne vois pas courir! Ah! Mais c'est tout rouge! C'est tout rouge! Mais il se passe quoi? Ce qui est bien, c'est quand la lumière s'éteint, tous les tableaux s'éteignent aussi. Bonjour! Ah, excusez-moi, je me suis perdu, j'aimerais bien retrouver la sortie, mais le souci c'est que. Elle est où la sortie? Oh putain, je bouge plus là. Ah non, là je bouge plus. Ah, je bouge plus là. Bah, je bouge plus. Ah, je bouge plus. Ah, je bouge plus là. Là, là, je bouge plus. Ah! Ah, putain! Oh, m'a bouffé! Saloperie! Ah! Mais c'est tout? Non, sans déconner. Putain, mais on dirait qu'elle bouffe des croquettes pour chien quand elle me mange! Mais c'est tout? C'est tout! Eh bien voilà. C'était une partie riche en émotions, intense. Et comment dire. Je vais aller m'acheter une couche maintenant. Ah, tu vois, juste la petite affiche de fin, ça te dit, tiens, petit con, t'as voulu faire le malin, hein, marcher chez moi, tiens. Enfin bon, voilà, le petit pétage de câble est passé, voilà, c'est une petite vidéo vite fait à l'arrache, hein, qui dure 7-8 minutes. J'espère que ça vous aura plu, et puis si ça vous plaît pas, bah, désolé, mais je peux rien y faire, je suis comme ça. Et si ça vous plaît, bah, je vous adore. Allez, à la prochaine.